ils nous ont dit on veut te faire des trucs nouveaux. J'aurais dit oui, ils viennent de triompher au Palais des Sports. De toute façon, ils triomphent partout. Je vous ai dit que c'est une émission de potes. Les Chevaliers du Fiel. Et c'est parti, vous ne faites pas plus de 4 minutes, les mecs. Et non. Vous évitez de me faire des conneries comme vous faites d'habitude, que vous ne faites pas la répétition le soir juste pour m'emmerder. D'accord. Combien de minutes tout ça? 4. D'accord. C'est parti, 4 minutes. À la tienne. Je te sers comme d'habitude. Allez, fais péter le journal. On est parti. On change pas l'équipe qui gagne. Ah oui, champion. C'est du faux, hein? Oui. Ouais, t'as raison, tu vas voir un coup, ça va? Ça, tu vas être surpris. Ah oui. Alors, chez Sébastien, on ne fait pas semblant. Hein. Alors, c'est du vrai. Oh voilà. On se regarde quand même. Ouais. Mais qu'est-ce que tu suces? Un noyau de pêche. Tu suces un noyau de pêche. Et pourquoi tu suces un noyau de pêche? Pour arrêter de fumer. Ah bon? Je savais pas que de sucer les noyaux de pêche, ça te fait arrêter de fumer. Alors ça, c'est vachement efficace. Ça marche? Attends, depuis que j'en suce, j'ai pas fumé. Ah bon? Mais tu fumais avant? Non. Ah. Ouais, c'est pas con. Cool. Ah ouais. En tout cas, t'as l'air crevé, toi. Oh, m'en parle pas. Ce week-end, j'ai fait l'amour à ma femme. Et alors, comment elle a réagi? Elle a pas réagi. Faut dire que je lui ai pas dit. Ah. Ouais. On a une convention avec elle. J'ai le droit de lui faire l'amour uniquement si je la réveille pas. Ah bon? Ouais. Eh ben, moi, c'est l'inverse. Puis, en tant que samedi, on regardait la télé avec ma femme. Ouais. Et le chien. C'était Patrick Sébastien. Ah, ça, c'était pas la même chose. Le chien, il fait que grogner. Quand il me voit arriver dans le dompteur, il s'est dit enculé, tu m'en vas. J'ai rien compris, madame. C'est bien. C'est pas con, c'est bête. Alors, ouais, ouais. Alors, on était là, tu sais, on regardait la télé, c'était bien, les années bonheur, c'était impeccable. Hein. Et il y avait la haine, il n'a pas vieilli, impeccable. Ouais. Alors. Et alors, on était là, tous les deux, on était bien. Et à un moment, ma femme me prend la main. Ah bon? Je dis, oh putain, qu'est-ce qu'elle a, tu sais? Elle voulait la carte bleue, peut-être? Non, elle me prend la main. Elle me regarde avec un air bizarre. Hein. Je dis, elle me dit, mille, je dis, oui, si on faisait 69. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre à Lyon? T'es bien. Voilà. On sent le métier. Oui. Oh, à plus, pardon. Et tu es le neuf. Ok, à plus, moi j'étais pas d'accord parce que on faisait un grand voyage. Ah bon? Parce qu'on devait aller visiter le viaduc de Millau. Ah bon? Avec ta Laguna, t'es parti? Oui, avec la Laguna. Allumage des moteurs, minuit, départ prévu, 7h. 7h de préchauffage? Attends, c'est une GN, tu conduis pas une GN, tu la pilotes une GN. Alors derrière, il y a le chien et ma femme, ouais. Et moi seul dans le cockpit devant. Je conduis pas, je pilote. Ah ouais. On part de nuit, pour pas exciter la jalousie des voisins. Oui. T'as raison. On roule la nuit, c'est la nuit. Un moment, on traverse Brive. Ah bon? C'est la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'était bien Brive alors. Voilà. Ceux qui sifflent n'y sont jamais allés. Affaire après 18h. Bref, on arrive le matin sur le viaduc de Millau. Paysage magnifique. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a pissé. Ça faisait 7 heures qu'on roulait, on a pissé. Ah, sur la glissière de sécurité du viaduc de Millau. Ah bon? Voilà, j'ai dit au chien que tu es le premier labrador qui aura pissé sur le viaduc de Millau. J'espère que t'as fait une photo. Bien sûr que j'ai fait une photo, on l'avait déjà quiché au pont de Tancarville. C'est quasiment une collection que tu démarres. Oui, pratiquement. Ouais. Tu sais que j'ai lu dans la presse que les prostituées vont se déclarer comme des métiers normaux, tu sais. Ben moi, je trouve ça bien pour elles, c'est du respect. Ouais, enfin quand même, ça va poser des problèmes, parce que... Ah bon? Ben attends, imagine l'expert-comptable, comment il déclare ça, lui. Par exemple, une gâterie, là, la pipe, tu l'as fait à quoi? 19,6 comme une prestation de service? Non, moi, tu vois, naturellement, je la mettrais à 5,5 en restauration rapide. Mais bon... Allez donc, j'étais au bistrot, c'est arrêté à Brive, là, et... Oh, et il y a un mec qui m'a raconté une histoire qui fait fureur, là-bas. Ah bon? Fait fureur. Une histoire qui fait fureur dans les bistrots, là-bas. Quelle est la différence entre des lasagnes congelées et la femme de François Hollande? Non, on part de loin, quand même, hein? Aucune. Ah bon? Au début, on croyait que c'était une vache et c'est un cheval. Vous êtes dégueulasse.
Là, je crois que c'est bon. On est rayé dans la Corrèze, là, c'est bon. Je n'approuve pas du tout. Je ne pense que Sébastien n'est pas prêt d'être invité à bouffer par l'Élysée. Bon, et qu'est-ce que... Ah oui, putain, j'ai lu, alors pour finir, disons, j'ai lu que... Ouais, parce que les 4 minutes, vous les avez niquées depuis longtemps. Ah ouais, mais t'arrêtes pas de nous interrompre. Ouais. C'est vrai. Ouais. Tu t'en fous, si c'est trop long, à un moment, tu feras le petit bonhomme en mousse, hein. On l'a jamais eu. T'as été où? Je sais plus où j'ai... Tu fous la merde. Il faut finir le sketch. Voilà, ouais, on ne pas remarquer, on va faire 6 minutes. Allez. Ah oui, ça y est, l'Europe a enfin autorisé de nourrir les poissons avec des farines animales. Ah, moi je suis bien content de manger de la sole qui a le goût d'agneau. Exactement. Des côtelettes de saumon. Tiens, on va se régaler. Par contre, il faut se méfier parce que le poisson qui mange les farines animales, ça lui rend la chair molle et ça lui donne une mauvaise odeur. Oh putain, je me demande si ma femme en mange pas en cachette. Hein. Allez, à la tienne. Ça fait du bien quand même. Merci. Les chevaliers du fief devraient être remboursés par la sécurité sociale. Venez les enfants.